Ce module est consacré à la deuxième partie de l'élan arrière, c'est-à-dire celle de 21h à midi. Les priorités que vous devez mettre en place dans cette étape du swing sont l'installation progressive de l'armement des poignets. Cet armement progressif des poignets est nécessaire pour obtenir au final un armement complet en haut du backswing. En plus des poignets, un autre levier intervient, le coude. En haut du backswing, il doit pointer vers le bas. La position de ce coude en haut du backswing va déterminer à la fois et l'orientation de la face de club et l'orientation du plan de swing. Dans l'élan arrière, c'est la rotation du haut du corps qui entraîne celle du bas du corps. Cette rotation du haut du corps dans le backswing installe naturellement le poids à l'intérieur du pied droit. Avant de résumer le mouvement global du backswing, j'aimerais intervenir sur un paramètre qui me paraît important. C'est la rotation des épaules qui doit vous permettre de monter le club et non les bras qui montent le club. Le mouvement global du backswing doit s'opérer dans la largeur jusqu'à 21h et ensuite par la longueur, c'est-à-dire l'installation des leviers. L'installation de ces deux paramètres est importante dans cet ordre. Si le mouvement de départ s'exécute dans une forme inverse, cela crée un swing mal séquencé. À bientôt et bon golf!